Bonjour tout le monde, donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo un peu spéciale, j'ai hésité à vous la faire parce que j'ai pas fini ce que j'avais à faire, mais je suis vraiment pressée de vous montrer un peu tout ça. Donc voilà une des raisons qui me prend beaucoup de temps actuellement. Donc voilà, pour vous dire que j'ai déménagé, j'ai un petit studio à Paris. Donc voilà, je vais vous montrer un peu la déco intérieure. C'est en cours, j'ai pas fini, je dois rajouter des meubles, des tableaux, des rangements. Mais voilà, je vous montre un peu ce que ça donne, comme ça vous allez peut-être pouvoir me donner des idées également. Donc tout d'abord, pour commencer, ici on a ma porte d'entrée, les grosses portes blindées de Paris, avec ici un petit porte-manteau qui était déjà ici de base et compteur électrique, super sympa. Là j'ai ma petite charrette Peggy Sage pour aller faire mes courses au Carrefour City qui est juste en bas de ma rue. Donc ici on a ma salle de bain, donc là vous voyez sur ma porte j'ai mis en fait un miroir, j'ai calé un miroir pour pouvoir me regarder on va dire de la tête aux pieds. Voilà, donc là c'est l'entrée vue de l'autre côté. J'ai une lampe en haut mais j'ai pas mis d'ampoule encore, donc voilà je vous dis c'est vraiment en cours. Donc là on arrive dans ma salle de bain, je vais vous montrer un peu l'ambiance générale. Donc je n'y ai pas touché, elle était déjà comme ça, donc franchement j'ai trouvé ça super sympa. L'éclairage est pas mal, mais à voir si je peux en rajouter d'autres, mais bon c'est pas là où je me maquille donc ça me suffit. Donc on a une vasque qui est vraiment pas mal, donc ne pas prendre en compte les rangements pour l'instant. Il manque des choses genre une bombe dans mon lavabo. Et donc là on a une petite séparation, on a un petit miroir ici, donc coucou. On a une petite lampe juste là, là un porte-serviette. Et là, j'ai mis des petites boîtes de rangement où je mets mes démaquillants, crème, lingettes, papier toilette, etc. Un porte-serviette. Et là, c'est la douche. Donc voilà, enfin, la douche et les toilettes, pas très intéressant les toilettes. Mais voilà, la douche, en fait, ce que j'ai trouvé super sympa, c'est cette petite ambiance hammam. Donc je pense que je ferai une déco par la suite, un peu orientale, si je peux, parce que j'aime bien en fait cette... enfin, le fait de pouvoir s'asseoir dans la douche, c'est génial. Bon, même si c'est du carrelage, du coup, c'est un peu froid. C'est un peu froid pour s'asseoir dessus. Donc là, j'ai un petit tapis. Je vais vous montrer la vision de ce côté-là. Donc là, la porte d'entrée avec un petit radiateur derrière. Donc là, il y a un sac par terre. C'est parce que demain, j'ai une grosse journée. Donc voilà la raison pourquoi. Ah, je voulais vous montrer ça tant que j'y suis. Les petits rangements coton, ça c'est vraiment génial. J'ai payé ça 79 centimes chez Action. Et là, les rangements, que ce soit pour la brosse à dents, le savon-main, le petit porte-savon et la... Enfin, moi je m'en sers de poubelle, ce petit vase-là. Chez Ikea, le tout pour 8 euros, sachant que, par exemple, chez Alinéa, il y en avait des beaux, genre dorés, etc. Mais genre, la pièce, ça coûtait 8 euros. Et les petits bacs, ça vient de chez Ikea également, les petits bacs blancs. Vous avez plusieurs tailles différentes. Et ce qui est pas mal aussi dans cette salle de bain... Je descends, c'est qu'en bas, vous avez des rangements. Voilà. Vous avez des rangements. Donc là, on passe à la pièce un peu plus intéressante. Donc pour le maquillage, tout n'est pas au point. Donc là, en fait, j'ai mis un bureau. C'est le Léa. Donc là, je cale mes chaussures ici pour l'instant. Mais c'est vraiment temporaire. Je pense mettre un meuble à chaussures ici, en fait, sous mes manteaux. Donc, je vais passer de l'autre côté. Puis peut-être un peu mieux voir. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Donc voilà, ça c'est le meuble Léa de chez Alinéa. Donc en fait c'est celui qui ressemble au Ikea. Hein. Enfin, c'est un peu partout les mêmes maintenant. Donc voilà. Et en fait il y a un tiroir à rangement. Ce sont des tiroirs qui sont pas très très solides. Et à l'intérieur c'est des rangements. Donc des rangements qui viennent de eBay, qui viennent de des ventes privées, showroom privé, des fois où il y a des rangements, salle de bain, etc. J'ai acheté ça là-dessus. Et là, il y a un miroir qui vient de chez But il y a quelques années. Mais il faut que je le change parce que j'aimerais bien mettre un miroir avec des spots derrière. Bon, je suis désolée, j'ai pas trop de recul, mais en même temps, c'est comme un petit studio, pardon. Donc les pots, c'est le pot comme tout le monde. Hein, c'est les pots Ikea, les pots de fleurs Ikea. Et ensuite, des rangements. En fait, c'est des rangements que j'ai pris de chez moi. Et voilà. Là ensuite, les petits bols ici viennent de chez H&M. Je crois que c'était 2,99 les deux. Et là, le miroir également de chez Ikea. Donc voilà, pour le petit rangement maquillage d'ici. Donc là, je vous fais une petite vision globale de la pièce. Vous voyez mon trépied en plein milieu. Voilà, pour vous donner une idée. Donc,
je vais me mettre de ce côté-là. Donc là, en fait, c'est mon espace cuisine. J'espère que vous allez bien voir. Je recule. Voilà. Donc ma petite kitchenette, hein, on va dire. Donc il faut savoir que quand je suis arrivée, il y avait ce meuble-là. Il n'y avait que ce meuble-là. Et le frigo, et le lavabo, et les plaques chauffantes. Donc j'ai rajouté ça avec le plan de travail et les meubles au-dessus. Donc là, mon objectif, c'est de mettre du film, je sais pas trop comment, du film stickers blanc laqué sur ces deux meubles-là, parce que le blanc est passé par rapport au nouveau meuble. Et en bas ici, bah, de mettre une petite plainte pour pas qu'il y ait de vide. Et j'ai ajouté des petits boutons Ikea en fait, parce que c'était des boutons blancs et en fait c'est des petits boutons dorés pour ici. Donc là pour le plan de travail j'ai pris une grande planche, enfin mon père a pris une grande planche qu'il a coupée pour pouvoir également séparer et mettre un autre bout ici. Pour mon micro-ondes et puis pour la machine à café qui va arriver et le grille-pain. Donc pour les meubles, quasiment tout vient de chez Ikea, mis à part le bureau que je viens de vous montrer. Donc ça, c'est les meubles cuisine que vous faites vous-même en fait, qui coûtent tout de même assez cher, je trouve. Donc voilà, mais ça permet quand même pas mal de rangement. Je sais pas si ma vaisselle vous intéresse, mais on va dire que bah, voilà. Il y a ces assiettes qui sont très jolies, qui sont dorées et blanches, qui viennent de chez Maison du Monde. Et sinon, j'ai pris les services Ikea, là, vous savez, j'ai pris les assiettes prunes. Et en bas, il y a des grosses assiettes dorées en plastique qui viennent de chez Maison du Monde également. Et puis en haut, c'est tout ce qui est boîte tupperware et également pour le four. Ça, c'est vraiment très sympa. J'ai pris ça chez Ikea, que j'ai attaché avec une petite tringle juste ici. Ça permet de ranger ses épices. Donc ça c'est vraiment très sympa. Le petit range serviette vient de chez Action pour pas cher non plus. C'était la première fois que j'allais chez Action et c'est vraiment pas mal. Faut que j'y aille parce que faut que j'y retourne parce qu'il n'y a pas grand chose. Ça également ça vient de chez Action pour même pas 2 €, il me semble, pour mettre sel, poivre, vinaigre et l'huile. Donc après là ça vient de chez Ikea. Ça également de chez Ikea. Donc là après plus grand chose d'intéressant. Là j'ai mis une lampe en bas qui vient de chez Leroy Merlin. Leroy Merlin. Et donc là encore des placards. Des placards qui sont pas totalement pleins parce que bah je viens d'y emménager officiellement on va dire. Donc mon four, donc j'ai pris un four à micro-ondes parce que je n'ai que des plaques électriques. Donc si je veux faire des choses gratinées, voilà, histoire d'avoir un petit four que j'ai acheté d'occasion à une copine qui refaisait sa cuisine. Donc Charlène, si tu es là, je te fais un gros bisou. Donc là j'ai une petite bouilloire Blue Sky de chez Carrefour, pas très intéressant. Et là c'est une petite bouteille en verre qui vient de chez Action également, 79 centimes. Et là je me dis que je peux optimiser l'espace tout de même parce que voilà, en haut c'est vide. Donc je sais pas comment je vais optimiser ça mais il faut que je l'optimise. Et là également aussi, bon là j'ai ma poubelle, un balai. Donc là c'est décidé par contre il me faut un aspirateur, je m'étais dit je vais passer le balai mais... impossible, c'est trop chiant, il y a des cheveux partout donc ça m'embête. Et là voilà, je pense que je vais mettre un meuble ici, je sais pas quoi mettre encore, mais il faut que je vois pour optimiser ça. Au début il y avait mes bouteilles, mais du coup les bouteilles je les ai calées là parce qu'il y avait un petit creux, donc je les ai calées là. Ah, ça, ce meuble là, il fallait que je vous le montre parce que je l'adore, c'est le lac. Il me semble la même gamme que ma table basse. Ce meuble là coûte 49 €. J'ai à peu près tous les prix en tête. Mais si ça vous intéresse, je vous marquerai tout en barre d'infos. C'est un meuble étagère en fait. Qui est vraiment pas mal parce que ça permet de décorer et de ranger. Donc sur lesquels il y a du maquillage pour l'instant. Voilà, il y a du maquillage. Il y a de la déco H&M et Primark. Donc le pot H&M, les deux pots, les deux petits Primark. Ça c'est un... petite vasque que j'avais eu dans un coffret à Yves Rocher. Là c'est des cochonneries, chocolat, etc. Là c'est deux tableaux qui sont encore enroulés parce que je n'ai pas, j'ai pas les cadres. Donc là je vous ai montré, c'est mes chaussures. Et là c'est mon canapé, donc mon canapé qui fait également office de lit avec ma housse que j'ai reçue, donc super contente. Et mon miroir.
Donc le canapé, il a été acheté nu. Donc on va dire que c'est la chose la plus chère de mon appartement parce que c'est dessus que je dors au quotidien. Chez Alinea, donc il a été acheté, il était à 600 et quelques et 2 semaines après il était à 400. Donc on a quand même réussi à se faire rembourser la différence et avec laquelle j'ai pu m'acheter la housse de canapé qui est tout de même assez épaisse. Je sais pas si vous en rendez bien compte. Voilà, j'ai hésité à prendre blanc parce que c'est tout de même salissant, mais j'ai mis un plaid violet dessus. Donc ça va, parce que la housse, vous allez rigoler, mais elle coûte 159 €. Donc ouais, c'est vraiment une blinde. Mais voilà, ça sert de par-dessus d'à-l'aise, on va dire, parce que je mets mon drap housse par-dessus pour dormir et ensuite je mets ma couette. Et ce qui est bien avec ce canapé, c'est qu'en dessous, je me baisse, c'est que vous avez un coffre. Je sais, juste ici. Où vous levez votre lit, clac clac, ça fait 2 claques et ça vous permet de ranger votre couette, vos coussins et voilà, ça traîne pas partout et c'est pas, ça fait pas bordel quoi. Là mes coussins, je voulais retourner celui-ci, c'est pour vous montrer en fait, c'est des housses H&M Home, voilà, qui sont dorées, blanches et dorées quoi. Mais le problème c'est que ce sont des housses 50 par 50 et à l'intérieur c'est des coussins qui sont un peu plus petits donc ça me stresse un peu mais mes copines me disent que non, ça choque pas. Le fait que le coussin soit plus petit, mais moi ça m'embête. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi ça m'embête un petit peu. Je trouve que ça choque tout de même un peu. Et les coussins là viennent de chez Primark à 4 €. Et le petit cœur également aussi vient de chez Primark 2-3 €, je ne sais plus. Et là, les coussins sur les côtés étaient livrés avec le canapé et les housses avec la housse de canapé. Donc là, le grand miroir vient de chez Ikea, c'est le, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais toutes les captures d'écran sont dans mon téléphone. Mais je sais qu'il était à 69 € au lieu de 90 avec Ikea Family, la carte Ikea Family. Donc voilà, c'était une bonne petite affaire, donc voilà, je l'ai centré au-dessus de mon canapé. Et là, du coup, j'ai mis une table basse, la table basse à 19 € et des cacahuètes. C'est la LAC, je crois, la LAC ou la LARC. Voilà, vous avez ou celle-ci avec un petit rangement en bas, vous pouvez mettre vos sets de table, c'est ce que je fais, voilà, comme cela là que j'ai acheté chez Ikea. Ou bien vous en avez des petites carrées qui coûtent 5 € si elles sont mates comme cette table, ou alors 6 ou non, ou 9 € si elles sont laquées. Et pour vous dire à peu près la cuisine, pour le total des meubles là, c'est-à-dire. Les deux doubles et ça, j'en ai eu pour à peu près 300 €, je crois, je vais dire quelque chose comme ça. C'est vraiment l'achat qui n'était pas prévu. Les 300 € là-dedans, ça m'a fait quand même vachement mal. Ouais, ça fait quand même vachement mal mettre 300 € là-dedans. Mais bon, il fallait quand même quelque chose d'assez solide. Donc voilà, les décorations ici viennent de chez H&M Home. Voilà, j'adore les couleurs et voilà. Ici le fameux, le grand, le meuble Alex, donc qui permet de mettre des rangements. Donc les rangements ne sont pas faits du tout, voilà, c'est en bazar. J'ai pas tout amené de chez moi, voilà, il y a de tout et du n'importe quoi pour l'instant. Il faut que je puisse organiser tout ça, mais voilà, je voulais quand même vous montrer ce que ça donnait pour l'instant, comme ça va vous faire un avant-après. Donc là j'ai ma lampe, je vais l'éteindre pour que vous puissiez un petit peu plus voir. Voilà, donc ça c'est une lampe Ikea et puis là en fait j'ai mis mes parfums pour pouvoir les voir au quotidien, on va dire qu'ils sont pas forcément à la lumière parce que du coup ils sont dans le petit coin ici où il n'y a pas de fenêtre et puis sinon il y a le rideau. Ici vous avez ma porte-fenêtre, donc je suis contente parce qu'ils viennent de la changer, en fait ils l'ont changé quand j'ai emménagé. Donc là c'est des rideaux violets de chez Alinea et là c'est un petit voilage blanc transparent de chez Alinea. Je vais ouvrir pour que vous puissiez voir rapidement, mais bon, après je referme parce que pas que les voisins. Enfin, j'ai pas de vis-à-vis, ça c'est génial. Là on me voit du coup. Mais je vous montre un peu ce que. Je perds mon chausson en route, ce que donne ma porte-fenêtre. Bon, il y a le trépied devant, c'est pas top. Mais voilà, ce qui est génial, c'est que je suis exposée plein sud en fait, enfin sud ou ouest, enfin bref. Ouais, plein sud je crois, hein, parce que j'ai le soleil qui est là, mais toute la journée, ça tape toute la journée, j'ai une luminosité mais de malade, donc pour faire des vidéos ça va juste être nickel. Bah là il est pas très tard, il doit être 19 h, mais voilà, le soleil se couche tôt, parce qu'on est en hiver, donc voilà. Donc ce qui est bien c'est que voilà, c'est tout blanc, c'est nickel, je vais vous montrer un peu ce
que j'ai face à chez moi. Voilà, je vois pas la tour Eiffel de chez moi malheureusement, je vois juste le phare de la tour Eiffel au loin. Mais voilà, franchement je suis assez contente de ma vue parce que elle est pas si mal que ça. Vous voyez, j'ai pas de véritable vis-à-vis. C'est la rue en face. Ah, il y a le phare de la tour Eiffel qui vient de passer. Et puis en face, juste là, voilà, c'est une église, donc voilà, c'est très calme. On va dire un seul petit bémol, mais bon, je dors pas ici le week-end, c'est juste le dimanche matin quand il y a la messe. Du coup, il y a le, il y a l'église, c'est les cloches qui sonnent, mais bon, voilà, c'est pas non plus très très grave. Je préfère avoir ça plutôt que des scooters ou je ne sais quoi. Donc voilà, bon, je vais fermer parce qu'il fait pas très très chaud. Attendez, peut-être y avoir. Ah voilà, le phare de la tour Eiffel. Vous l'avez vu ou pas? Bon, on voit pas la tour Eiffel, c'est ce que je dis un peu à toutes mes copines, je dis ouais, chez moi je vois le phare de la tour Eiffel. Mais bon, je vois pas le phare de la tour Eiffel, sinon mon loyer sera à 200€ de plus, donc on va pas s'enflammer. Donc, je referme mes rideaux rapidos. Parce que bon, même si j'ai pas de véritable vis-à-vis, c'est toujours mieux d'avoir les rideaux fermés. Donc, ce qui est génial, c'est que mon radiateur était déjà doré, donc c'était super parce que c'était en fait, je ne savais pas quelle couleur je voulais vraiment dans mon appart, mais je savais que je voulais du blanc déjà parce que ma chambre en noir ça me saoulait, et je voulais du doré. Avec quelle couleur je voulais marier ça, je ne savais pas, je voulais pas de rose pour pas faire trop girly, du coup j'ai pris un peu un violet prune, donc je suis contente, je trouve ça fait vachement bien. Et là j'ai pris des assises de chaises en fait, j'en ai pris des blanches et des prunes, enfin la même couleur que mes rideaux, chez Alinéa à je ne sais plus combien la pièce. Donc comme mes rideaux en fait, j'ai acheté ça ensemble, mais c'était pendant les soldes ou la semaine du blanc il me semble, donc il y avait des réductions qui étaient vraiment pas mal. Donc voilà, c'était le moment d'en profiter. Donc là ma lampe, je l'ai décalée parce qu'il y avait mon sac, vient de chez Ikea également. Elle s'appelle je ne sais plus comment, mais de toute façon vous allez la voir. J'hésitais entre celle-ci et l'autre, la basique, qu'on voit un peu partout, qu'on voit aussi également en lampe de chevet. Bon, du coup j'ai pris celle-ci parce que je trouvais qu'elle allait peut-être aller un peu mieux avec mon chez-moi, sinon l'autre avait un esprit un peu trop boudoir. Donc le meuble ici, c'est le meuble Billy, donc il existe en grand, mais du coup je l'ai pris en petit, en 1m20 il me semble. Donc dans lequel, pour l'instant, c'est le bazar, mais dans lequel je compte ranger mes cours et quelques papiers, etc. Et sur lequel, enfin, pour l'instant, voilà, j'ai commencé à acheter des cadres. Voilà, ces cadres-là de chez Ikea, qui sont dorés. Et des plus grands, également, des plus grands ici, avec les contours blancs chez Ikea pour mettre les photos. Et là, j'ai une petite guirlande qu'il faut que je montre, que j'avais acheté sur le marché de Noël de Paris, où vous savez, vous faites vos propres couleurs, puis c'était soit 20€, soit 30€, suivant le nombre de boules que vous preniez. Donc là, la petite orchidée de chez Ikea, hein, basique, avec le petit pot. Et là, on a des bougies de chez Primark. Ça, c'est une bougie de chez Primark, mais qui sent mais magnifiquement bon. C'est la Apple Spice. Je ne sais pas si c'était une édition de Noël. Si c'en est pas une, j'aimerais bien que c'en soit pas une parce que elle sent vraiment trop trop bien. Là également une bougie de chez Primark, je crois que celle-ci a coûté, il n'y a plus le prix, 3-4€, et celle-ci, putain mais alors qu'est-ce que je suis bête. Alors vous avez vu ou pas ce que j'ai fait, j'ai retourné la bougie avec la cire dedans chaude. Bon, ça va, je me suis pas brûlée. J'ai refait la même connerie. Je crois que celle-ci est à 2-3€ également. Bon, après j'ai plus qu'à nettoyer, je la cire partout sur les mains. Et ça, non mais je sais pas si vous connaissez cette marque là. Faut que je vous en parle, un des favoris un jour ou l'autre. C'est la marque Equivalenza. Donc ouais, ça doit être espagnol, hein, vu que c'est écrit en espagnol. Ça sent le linge propre. Et ça sent vraiment le linge propre. Et en fait c'est une marque qui fait des parfums d'ambiance. Et qui fait également des parfums pour, bah, pour hommes et pour femmes. Qui ressemble au parfum de marque. Vous avez exactement les mêmes senteurs, par exemple, vous avez Pur Poison, vous avez La Vie est Belle, mais c'est exactement les mêmes senteurs et à 75% moins cher, je ne sais plus exactement. Voilà, j'ai acheté ça à Quartz. En fait, il y avait des petits flagships, voilà, des petits stands en plein milieu, et j'ai trouvé ça, j'ai senti ça et j'ai vraiment adoré. Donc là c'est ma bee box, hein. La Apple TV que je suis en train de tester, qui est vraiment pas mal.
Là, c'est ma télé. C'est celle que j'avais chez ma mère, mais en fait, là, elle paraît énorme. On dirait que j'ai un écran plasma, sauf que bah, elle est grande, mais bon, c'était la même que j'avais dans ma chambre, sauf que là, du coup, elle paraît énorme. Ici, vous avez de la déco de chez H&M encore. Et ça, en fait, c'est le meuble qu'on connaît tous, hein, également de chez Ikea, qui coûte 125 euros, il me semble. C'est le Malm. Il me semble que c'est le Malm. Voilà. En fait, c'est là-dedans que je range mes affaires. En fait, là, la problématique qui se pose à moi aujourd'hui, c'est il faut que je puisse mettre un portant. Il faut que je puisse trouver un moyen de pouvoir accrocher des cintres chez moi parce que pour les robes, les vestes, etc., c'est vraiment pas pratique. Donc, je m'étais dit peut-être ici en fait, condamner limite une partie de ma porte-fenêtre, le bas, pour pouvoir mettre un portant ou bien devant le radiateur, même si je sais que ça craint. Mais c'est un chauffage collectif, c'est un radiateur en fonte, donc ça grille pas. Et c'est pas non plus, ça chauffe pas non plus énormément. Faut savoir que par palier, en fait, je suis au 8e étage avec ascenseur. Heureusement, par palier, il y a 3 appartements. En fait, il y en a 2 grands sur les côtés et il y a le mien au milieu, le petit studio. Et donc, je suis quand même bien chauffée. Et donc, pour vous donner une idée, en fait, mon appartement fait 19 mètres carrés. Donc voilà, c'est petit. Ma chambre fait 14 mètres carrés chez ma mère. Donc voilà, ça m'a fait bizarre de me retrouver dans pas si petit, je vais dire, mais voilà. Et ensuite, ici, j'ai ajouté des meubles également. C'est les meubles Besta que vous personnalisez également. Donc là, il y a un petit écart entre les deux. Mais bon, avec mon père, on n'a pas réussi à le faire moins d'écart que l'autre côté. Bon, bah là, ça choque parce que je suis de ce côté-là. Mais sinon, voilà, ça passe. Franchement, ça passe. Puis voilà, je voulais pas me prendre la tête avec ça. Je dis, c'est pas grave. Et là, en dessous, j'ai mis également des petites lampes de part et d'autre de la télé. Voilà, que j'ai allumées, mais que je n'allume pas tout le temps. Mais qui est sympa pour faire... une petite ambiance quand vous regardez la télé, voilà, c'est sympa. Donc voilà, je la rallume. Et donc au-dessus, il y a un petit... là c'est un petit bout, enfin une petite bonbonnière de chez Action. Ça c'est un petit cadeau que ma meilleure amie m'a offert. Voilà, c'est aux couleurs de chez moi. Et là c'est une petite chicha qui est là-haut. Mais bon, je pense que je vais la déplacer. Enfin je vais voir, je vais pas la laisser là-haut comme ça parce que c'est pas très beau. Et pour vous montrer, à l'intérieur de ces meubles, c'est sympa parce que vous choisissez où vous mettez l'étagère et vous rangez comme vous voulez. Donc là, on va dire que c'est le petit coin un peu des restes du brunch. Voilà, il me restait de la déco, donc j'ai foutu ça là-dedans pour les verrines, etc. Et j'ai également un service à thé. Et comme vous voyez, en fait, j'ai mis quelque chose là qui rebondit pour pouvoir appuyer et sortir. Donc là, j'ai également de la vaisselle. Donc j'ai des bols ici que j'avais achetés chez Maison du Monde. Je vais vous montrer parce qu'ils sont vraiment très beaux. C'était la collection de Noël. En fait, c'est super bien tombé pour moi qui voulais la déco dorée. Bah Noël, il y avait que ça. Donc voilà, ça fait pas la mise au point. De toute façon, très top. Là, après, vous avez des petits pots, des petits bols en verre de chez Ikea, la théière en verre de chez Ikea, des verres à thé, un petit mug de chez Primark, des pailles. Et dans le dernier, je vous montre un peu mon organisation comme ça. J'ai des verres à eau, des verres à soda coca et également des tasses. Des tasses. Ah, faut que je vous la montre. Je suis pas si... je trouve déjà que ces tasses-là sont super belles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve super belles pour boire un bon chocolat chaud viennois ou même un café. Mais voilà, regardez. I woke up like this. Voilà, c'était la petite touche Beyoncé. En fait, je l'ai acheté à Primark, je crois qu'elle coûtait mais une misère. Je ne vais pas dire une misère non plus. Mais elle coûtait 2 ou 3 euros, donc c'est vraiment pas cher pour de la vaisselle, quoi. Et puis je trouvais ça sympa. Ce petit rappel à Beyoncé. Donc voilà. Ah oui, et puis j'ai un tapis ici de chez Ikea. Il faut que j'en mette un autre ici, en bas de, au-dessous de ma fenêtre. Donc voilà, voilà. Donc c'est petit mais c'est mignon, ça me va complètement, j'en suis contente. J'ai quand même un bon espace ici, je décale juste un petit peu ma table de nuit, enfin ma table basse ici pour déplier le matin, j'ai plus qu'à le replier. Tout le monde me dit tu verras au début tu replies ton lit etc. Mais non, ce sera toujours comme ça, je veux pas partir de chez moi avec le lit toujours déplié etc. Parce que sinon je trouve que ça fait vite bordel. Donc je m'efforce de le plier et le déplier chaque matin, chaque soir parce que je veux pas, je veux que ça reste rangé.
Et oui, et là, c'est ma petite valise quand je retourne chez ma mère et quand je reviens ici où je change les vêtements, etc. Parce que comme vous avez pu le voir, je n'ai pas de machine à laver, j'ai une laverie en bas de chez moi. Mais voilà, pour l'instant, je préfère laver mes affaires chez moi quand je rentre le week-end et voilà, les laver et attendre que ça sèche, en prendre de nouveau, etc. Pour l'instant, je trouve que c'est le meilleur moyen. Si vous voulez, hop, je vais vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. C'est tout de même assez grand, donc voilà. En fait, ici, j'ai mis, on va dire, pyjama, etc. En dessous, il y a les hauts, pulls. En bas, il y a tout ce qui est serviettes. Là, on a sous-vêtements. Ici, on a jean. En bas, pour l'instant, on a un peu de bazar. Mais voilà, pour vous montrer un peu le tout, ça bouge un peu, la vidéo va peut-être vous donner mal au cœur. Mais bon, voilà, je voulais vous montrer ce que ça donnait. Donc la prochaine vidéo de mon appartement studio parisien tour sera bientôt dans les bacs. J'attends d'avancer au maximum ce que je peux faire, de mettre les tableaux où je veux, de mettre les photos, d'acheter les tapis, d'acheter un... parce qu'il faut que j'achète un autre voilage blanc parce qu'il n'y en a qu'un, donc il faut que j'en achète un de l'autre côté. Ici il faut que je mette un tableau, il faudrait que j'ai mon portant, faire ma déco bien comme il faut, donc voilà, je vous montrerai ça du coup une prochaine fois, mais voilà, pour vous donner un peu l'idée, vous montrer un peu où je suis maintenant. Et voilà, pour cette décoration, j'avais envie de blanc, de doré, et j'avais envie d'un peu de cet esprit, je vais pas dire totalement oriental parce que ça ne l'est pas, mais j'aime bien tout ce qui est, voilà, j'aime bien ce qui est un peu fer forgé, j'aime bien le doré, j'aime bien les mandalas, voilà, c'est pour ça que j'aime bien tous ces imprimés là sur les coussins, en décoration par exemple ici, ou même les bougies, enfin bon, c'est des petits rappels par-ci, par-là, où j'ai ces petites choses-là. Donc voilà, maintenant j'ai mon petit chez moi, j'espère vous faire plus de vidéos, voilà, ce qui handicape un peu là, c'est le soleil qui se couche tôt, parce que du coup la luminosité est vite plus bonne. Il faudrait que j'essaie de ramener mon éclairage ici pour vous faire des vidéos, voilà. Donc j'espère que ce room, appartement tour vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez au niveau de... Parce que je sais que vous allez en avoir, et je sais que moi j'ai manqué de ça. Donc je pense faire une fac, une foire aux questions FAQ sur comment trouver un appartement, à quoi faut faire attention, comment on peut trouver ses meubles, quand on est étudiant, quelle aide on peut avoir, parce que vous pouvez avoir des aides pour vous aider, voilà, quels sont les quartiers de Paris par exemple, voilà, toutes ces petites choses-là, n'hésitez pas à me poser les questions. J'espère vraiment revenir de façon régulière sur YouTube parce que c'est vraiment un de mes souhaits 2016. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une nouvelle fois une bonne année. Et voilà, j'espère faire quelque chose de vraiment très cosy chez moi et d'organiser. Voilà, je suis en train de regarder là aussi. Au-dessus, là, je pense que je vais mettre aussi une étagère avec des petits paniers en haut. Donc voilà, si vous avez des conseils sur comment je pourrais encore optimiser l'espace et gagner de l'espace et du rangement, Je prends. Même là, au niveau de ma valise, peut-être que je pourrais mettre quelque chose ici. Je m'étais dit déplacer ce meuble-là, là-bas, ou ici, bah, à la place de ce meuble-là, mettre un portant, comme ça, là. Et ça, le mettre de l'autre côté. Enfin, voilà, je suis en pleine hésitation, donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis, ça aide également. Donc, voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite. Bye bye.